L'œuvre de Frédéric Brulli-Bouabré à l'honneur au MoMA de New York et à Paris. Abdelkader, un héros algérien raconté au Mucem. Et le retour de la diva égyptienne Oum Kalsoum sous forme d'hologramme. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche. Le MoMA rend hommage à Frédéric Brulli-Bouabré, une exposition consacrée à l'artiste ivoirien mort en 2014 et présentée au Musée d'art moderne de New York jusqu'au 13 août. Parallèlement, André Magnien expose sa propre collection dans sa galerie parisienne. C'est lui qui avait découvert le travail de l'artiste. Il revient avec Julien Sauvaget sur son œuvre et cette rencontre qui a marqué leur vie à tous les deux. Quelques traits, presque enfantins, sur un bout de carton au format carte postale. L'œuvre picturale de Frédéric Brulli-Bouabré est une mise en image de la grande encyclopédie qu'il écrira toute sa vie. Il avait une table devant sa maison, c'était son bureau d'encyclopédiste. Il observait le monde à partir de là. À partir de là, les nuages, les empreintes de poulet, regardez, les empreintes de poulet sur le sol. Vous voyez la solution graphique qu'il trouve, c'est presque rien. Aspirant à l'universalisme, il crée même une écriture inédite, s'inspirant de la langue bété. Boabré était ethnologue, anthropologue, religieux, poète, conteur, sociologue, etc. C'est une espèce de savant autodidacte. Lorsqu'André Magnien le rencontre, presque inopinément en 1988, il parcourt alors l'Afrique à la découverte de nouveaux talents pour le compte du collectionneur Jean Pigozzi. Mais cette rencontre, plus qu'une autre, le marque profondément. Et là, c'est une sorte d'illumination. Sort un vieux monsieur qui est prévenu de mon arrivée. Et c'était comme un rayon de lumière. Il sort. Et j'ai senti à cet instant même qu'il allait se passer quelque chose. C'est suite à une vision divine que Frédéric Brulli-Bouabré décide de consacrer sa vie à son œuvre. Il écrit près de 130 manuscrits avant de mettre en dessin ses pensées, ses observations. Il reporte sur des petits cartons tous ces milliers de petits savoirs qu'il a accumulés depuis les années 40 dans ses manuscrits. Découvert et reconnu à l'aube de ses 70 ans, Frédéric Brulli-Bouabré expose dans le monde entier jusqu'à sa mort en 2014, à l'âge de 91 ans. C'est pas tant la reconnaissance qu'il cherchait que le monde s'abreuve de ses connaissances. À chaque instant, c'est une relation d'échange, vous voyez, entre sa vie et son œuvre. Un artiste hors norme qui aura réussi à léguer son travail, sa vie, à l'humanité. C'est un symbole de la résistance à l'invasion française en Algérie au début du 19e siècle. Abdelkader fait l'objet d'une exposition au Mucem de Marseille. Chef religieux, guerrier, visionnaire, le musée explore les différentes facettes de ce héros algérien. Le reportage de Florence Gaillard. Un guide spirituel devenu chef de guerre. Dans l'exposition consacrée à Abdelkader, on trouve des objets de l'émir algérien qui devait succéder à son père, à la tête d'une confrérie soufie. Mais l'invasion française fait basculer son destin. En 1832, l'éminent cavalier prend les armes et organise la résistance algérienne. Abdelkader devient une figure extrêmement importante dans la résistance et il arrive à négocier un des traités fondateurs avec les Français dans l'ouest algérien qui s'appelle le traité de la Tafna en 1837. Abdelkader a posé les bases d'un État algérien avec le prélèvement d'un impôt, une monnaie qui est frappée, et aussi avec un traité, une armée régulière. Mais après la prise de la Smala, sa garde rapprochée, l'émir doit déposer les armes. En 1847, il embarque avec sa famille pour la France, qui lui a promis la liberté en Orient, mais le garde prisonnier pendant 5 ans. Quand Napoléon III le libère enfin, il part pour Istanbul, puis Damas. Là-bas, il s'illustre dans la défense des minorités chrétiennes. Le 9 juillet 1860, il y a des émeutes extrêmement violentes et très fortes contre des chrétiens. Et donc Abdelkader avait déjà sensibilisé, avait déjà prévenu en disant « Attention, la situation est en train de s'envenimer ». Abdelkader décide de passer à l'action et de protéger ces chrétiens
Il prend les armes, il les protège. Ça, c'est l'épisode qui vraiment est déterminant à l'issue de sa captivité et qui va contribuer à le rendre encore plus populaire que ce qu'il n'était déjà. Dans la France du Second Empire, Abdelkader fait l'objet d'un véritable culte. Figurines, assiettes, timbres, il y a même la fraise Abdelkader. De son côté, l'érudit correspond avec les plus grands esprits de son temps et se déclare favorable au canal de Suez pour relier l'Orient à l'Occident. Lui-même fait figure de trait d'union entre l'Algérie et la France. Il y a ici à Marseille et en France des gens qui sont très proches de l'Algérie dans des scénarios très différents, pour des raisons extrêmement différentes. Et c'est un personnage historique qui est algérien, mais que nous avons un peu en commun quand même. Et dans un musée comme le nôtre, ça paraissait tout à fait important de le faire. En 1966, Alger fait rapatrier de Damas le corps de l'émir. Un événement fondateur pour l'État devenu indépendant 4 ans plus tôt. Quand la technologie fait revivre les artistes du passé, c'est le cas avec Oum Kalsoum, la diva égyptienne disparue en 1975 et pourtant de retour sur scène à Paris. Les jeunes générations ont pu admirer presque en vrai celle qu'on appelait l'étoile de l'Orient grâce aux hologrammes. Mohamed Chaban s'y est rendu pour nous avec David Gilberg. Elle apparaît sur scène dans un éclair lumineux. Un clin d'œil à son surnom d'astre de l'Orient. Près d'un demi-siècle après sa mort, l'icône égyptienne Oum Kalsoum se produit de nouveau sur scène à Paris. Une prouesse technologique sous forme d'hologramme, l'occasion pour toutes les générations de découvrir la légende. C'était vraiment génial, comme dans un rêve. Mon cœur s'est enflammé. J'ai eu l'impression de voyager dans le passé. C'était comme si elle était là. Ce concert m'a permis de vivre ce que les générations précédentes ont connu. Oum Kalsoum est devenue une star de la chanson au milieu du XXe siècle. Sa voix profonde et puissante a influencé la musique dans le monde arabe et au-delà. 3 ans de travail ont été nécessaires pour créer son hologramme. Une technologie de reconstruction faciale a été utilisée pour le visage de la diva. Pour le corps, c'est une actrice égyptienne qui a servi de modèle. Quand on a eu connaissance de la possibilité de faire revivre des stars du passé grâce à des hologrammes, notre premier choix a été Oum Kalsoum. Elle est bien vivante et également présente sur la scène du concert parisien. Sana Nabil, l'arrière-petite-nièce d'Oum Kalsoum. Beaucoup la comparent à son iconique aïeul. C'est un honneur de chanter dans un pays où Oum Kalsoum s'est également produite. Cela me donne un sens profond des responsabilités. Et je suis également très heureuse de faire partie de cet héritage. Avant Paris, l'hologramme d'Oum Kalsoum avait chanté en Arabie Saoudite, à Dubaï et à l'Opéra du Caire. Une manière de garder la diva un peu plus dans le cœur de ses admirateurs. Grâce à la technologie, elle pourra continuer éternellement à occuper la scène. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de votre attention. On se quitte en images avec Paris l'été. 56 spectacles vivants pour se faire plaisir jusqu'à la fin juillet. Ça se déroule dans une vingtaine de lieux insolites de la capitale française. À très bientôt sur France 24.